Ben, qu'on nous fasse un peu un état des Merci. lieux du communisme en France, déjà, parce que c'est elle qui se réclame comme la seule candidate communiste de l'élection. Donc elle est un peu la représentante justement de ce mouvement de pensée-là, donc qu'elle nous fasse un peu un état des lieux de ça. Qu'elle nous dise un peu plus ce qu'elle a à proposer aussi pour les jeunes, parce qu'on entend beaucoup, dans sa bouche, on entend beaucoup les mots bourgeoisie, travailleur, mais jeune, moins jeune, on ne sait pas trop où est-ce que ça se place, qu'est-ce qu'elle a proposé à ces gens-là. Enfin, la révolution au XXIe siècle, ça paraît un peu démodé. Comprendre comment être communiste aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle est différente des autres partis d'extrême gauche, pourquoi elle s'engage, pourquoi elle s'engage dans une campagne qui est quand même très dure et où elle se prend beaucoup de coups pour défendre ses idées alors qu'elle n'a pas crédité de beaucoup de pourcentage de voix. Bah, c'est à peu près ce qui a été dit, parce qu'ils ont été assez complets, c'est sortir des clichés. Désolé. Mais c'est aussi sortir des clichés de j'interroge une candidate d'un petit parti et tout ça, et du coup je la prends un peu avec un peu de pitié et tout ça, c'est plutôt essayer de rentrer dans le fond quoi. Moi personnellement, je trouve que on n'a pas vraiment eu de propositions qui vont un peu plus loin que juste les diagnostics et les projets pour le jour d'aujourd'hui et la semaine prochaine. Et je trouve que c'est un peu dommage pour une personnalité politique de ne pas proposer vraiment une autre vision de la société. Donc, voilà, je suis un peu déçu pour ça. On propose juste de changer toute la société, mais mis à part ça. Mais comment c'est trop. Alors, il y en a, c'est. Voilà. Parfois, c'est trop loin, parfois, c'est trop près, mais bon. Bah, au moins, il y a la conviction. Au moins, il y a la conviction, il y a de l'entrain, il y a. Enfin, on voit que vous y croyez vraiment, et je pense que c'est. En période électorale, c'est assez rassurant, finalement. De voir que vous, votre projet, vous y croyez. On est d'accord, on n'est pas d'accord sur différents thèmes, mais au moins vous y croyez, vous allez jusqu'au bout. Alors qu'une campagne électorale, c'est pas évident. Après, le problème, c'est la crédibilité d'un programme révolutionnaire dans le cadre d'élections. Parce que moi, j'ai du mal, j'ai fait des cours d'histoire, des cours de philosophie, et la révolution, bah, c'est le changement de système. Et s'inscrire dans le système pour proposer une révolution, ça me paraît un peu contradictoire. Ouais, c'est soit surtout quand on voit qu'il y a des révolutions en ce moment qui se passent dans le sang et tout ça, et que même avec du sang et des gens qui donnent leur corps, qui s'immolent et tout ça, ils n'arrivent même pas à obtenir ce qu'ils veulent. Donc on se dit que nous, dans notre pays de mou, on n'arrive même pas à être 50 à la défense, on va avoir un petit peu de mal à vivre dans les colcos et à partager des richesses. C'est ce qui me fait un peu peur. Mon modèle, c'est pas l'école. Non, mais bien sûr, je caricature. C'est pour l'image. C'est ce que je veux dire, c'est que. Non, moi je pense on que. Satisfait de notre petite misère. C'est pas parce qu'on vote, parce qu'on peut s'exprimer dans les élections, qu'on s'intègre dans le système et qu'on se résigne à accepter les choses telles qu'elles sont. Non, je crois qu'on peut toujours s'exprimer. Je pense que même dans les élections, on peut lever le drapeau de la révolution sociale, justement. Je pense que c'est possible. Et il faut le faire. Il n'y a pas de raison. Pourquoi on laisserait le champ libre aux autres? On peut aussi lever le drapeau de la révolution sociale dans les élections en disant, en s'affirmant comme tel, tout simplement. Et ça ne veut pas dire se vendre, ça ne veut pas dire vendre son âme, non. C'est, voilà. Non, pas vendre utiliser, son âme. Utiliser au contraire tous les moyens d'expression. Dans les actes, c'est pas. Utiliser tous les moyens d'expression, et bien justement, pour faire avancer ses idées, son programme. Voilà, pas se résigner à en rester aux règles capitalistes, il faut surtout pas marcher sur leur plate-bande, il faut surtout pas... attention, si on revendique des salaires qui nous permettent de vivre, on les met en difficulté. Ah, ça va pas du tout. Nous, on peut être en difficulté, nous, on peut être condamnés à la misère, mais il faut surtout pas les gêner, eux. Mais c'est tout, voilà ce qu'on nous dit, mais du matin jusqu'au soir, eh bien, il faut opposer à cette logique-là, nos intérêts vitaux, voilà. Donc, et ça, on peut aussi le dire dans l'élection. J'ai un peu l'habitude quand même des discussions comme ça, face à face, donc, et j'aime bien. Honnêtement, je préfère ça au plateau télé.